Salut tout le monde, c'est Staranim. Donc aujourd'hui, vidéo sur Massono fin 2021. Donc entre temps, il y aura peu d'achats, donc j'en profite pour faire une vidéo. Et ça fera une vidéo en plus sur la chaîne, vu qu'en ce moment, j'en poste pas trop. Donc on va commencer par la diffusion et par le son. Je vais aussi vous montrer les éclairages après et le 100 volts. Donc en son, on a deux têtes The Box CL110, donc ils font 200 watts RMS, accompagné du sub qui va avec le CL112, donc tête en 10 pouces et tête en 12 pouces. Donc c'est le sub qui alimente les deux têtes. Il délivre 130 watts pour le sub, 130 watts pour les têtes. Mais elles font quand même 200 watts. J'ai pris le modèle un peu au-dessus. Donc tout basique, hein, si vous voulez des vidéos sur ces enceintes, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. Là on a les micros, donc un micro sans fil, donc le fameux micro sans fil à moins de 50 euros chez Thomann, qui marche très bien. Pour du chant, vous oubliez. Mais pour l'animation sur un petit système son, franchement, rien à dire avec le récepteur, le micro. Si vous voulez une vidéo de ce micro, j'en ai fait une, mais elle n'est plus disponible. Si vous voulez vraiment une vidéo sur ce micro, vous pouvez voir la vidéo que DJ Tom a fait et je la mets en description. Là, vous les connaissez aussi, les micros filaires, tout basique, micro à 25 euros, ça marche très bien. Ça se veut comme une copie des Shure SM58, c'est pas vraiment la même qualité, mais pour le prix, franchement, c'est plus que correct. Si vous voulez un micro filaire pas très cher, je crois qu'ils sont à 20 ou 25 euros. Bon, après, je sais pas s'ils sont disponibles avec la pénurie de matières premières avec Thomann en ce moment, mais franchement, très bon micro. Y a rien à dire, j'en ai deux. Donc on a vu ça, donc on a vu le système The Box, les micros, on va passer au système son JBL, donc JBL STX 812M, 800 RMS en 8 ohms, très bonnes enceintes, donc plus que l'ampli pour les faire tourner, et je pense une fois que j'aurai l'ampli pour les faire tourner, je revendrai sûrement le système un peu contre le cœur, mais le système The Box, car ça sert à rien d'avoir deux systèmes distinct. Ça sent que je suis pas encore au point de faire deux prestats à d'endroits différents, donc je pense que je vais les revendre, je verrai ça. Donc voilà, les JBL STX, très bonnes enceintes qui se mettent en tête ou en retour de scène. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, vous aurez un peu plus d'explications dessus. Donc cette partie là on l'a fait. On a aussi en son ici, donc ça c'est pour la lumière, c'est un dispatch Ibiza que j'utilise plus, mais bon, moi je l'ai mis, et la revente ça vaut rien, donc je le garde. Donc un ampli, pas vraiment, un égaliseur Behringer 2x15 bandes, un classique, hein. Je le vends aussi car j'en ai plus besoin, donc très bon état. Si vous êtes intéressé, envoyez moi un message dans le chat ou sur Discord, mon Discord est aussi dans la description. Profitez-en pour rejoindre notre serveur Discord où on parle de Sono. Donc petit aparté sur le 100 volts, mon public adresse, deux amplis bouillés, un AS35 et un AS32 qui délivrent tous les deux 30 watts en 100 volts, et un ampli SQ20 de chez Philips, donc très bons amplis 100 volts, rien à dire. À côté, donc deux petites enceintes bouillées RB2051, donc, très bonnes enceintes, j'ai pas fait de vidéo dessus. Si ça vous intéresse, pardon, je vais bien vous en faire une, mais sinon c'est un peu la même chose que les monacords, mais par contre elles marchent vraiment bien. Elles sont pas étanches, elles sont faites pour utiliser genre en extérieur, mais pas sous la flotte. Vous oubliez, sur un quai de gare ça va, mais il faut vraiment qu'ils soient abrités. Et bouillez, les conseils de préférence de les mettre dans les halls, les bâtiments protégés. Mais sinon c'est une très bonne enceinte, un petit peu lourde quand même, mais vraiment très bonne enceinte. Si vous voulez une vidéo, dites le moi. On a ici donc la compression Monaco ET10, je vous ai fait une vidéo, donc je vais pas blablater longtemps dessus, qui marche très bien, donc 15 watts en 100 volts. Voilà donc la partie 100 volts, la partie sono avec le système de diffusion. On va maintenant passer à la lumière avec donc ces beautés, nouveaux achats, deux Binder Starway Clap 1000. Donc là aussi je ferai pas de vidéo sur ces claps 1000, Didi Lionel, en a fait une, donc, qui explique très bien. Et vu qu'il a un grada, lui pourra vous montrer les effets que ça rend, donc ça marche très bien. Petit clap 1000 que j'ai eu en très bon état, donc je suis assez satisfait et ça marche
très très bien. D'ailleurs, dédicace à Tom qui va bientôt aussi en avoir. Et du coup, je vais peut-être, c'est pas encore sûr, mais en reprendre deux. Ce sera à voir avec lui. On a ici, donc, je vous les avais déjà montré, les Paraled ADJ Mega X-Par. Très bon petit parallèle. C'est vrai que niveau puissance, c'est un petit peu just, mais il faudrait que les couleurs sont juste magnifiques. Je trouve que c'est le petit projecteur à 30 watts, avec le meilleur prix, niveau couleur, puissance, angle d'ouverture, c'est très correct, mais je trouve que ça manque peut-être un peu de puissance. Donc on a ça en lumière. Donc désolé, ma caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc je disais, Descan Martin, donc les Pro 918, donc qui marche très très bien, qui marche avec ampoule MSD MSR 575, qui ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissent pas les ampoules à décharge. Ça marche très très bien, le flux est magnifique. Inconvénient, ça consomme et l'ampoule coûte un peu cher et la durée de vie n'est pas non plus très très longue. Donc ampoule Philips, ça marche très 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 bien. Donc je vais peut-être en reprendre deux autres à voir, mais c'est pas sûr. Et là j'en ai racheté il y a pas longtemps, donc j'ai 16 parts à lampe Thomas 1 kW. Quasiment tous lampés en MFL. Donc j'en ai pris 16, certes c'est beaucoup, mais il y a une raison. J'en avais déjà 8 qui étaient assez suffisants honnêtement. Mais vu que ceux-là sont très très rares, enfin je dirais pas rares, mais les mêmes, ils sont introuvables, du coup j'en ai racheté. Comme ça par la suite, si on est dans de plus, je les aurai déjà. Et au moins je serai pas emmerdé plus tard. Donc voilà, j'ai aussi fait une vidéo un peu comme tout. Ça marche très très bien. Après, c'est du par-lampe, je vous apprends rien. Alors ça, j'ai presque honte. Petite machine à fumer Ibiza qu'on m'a donnée pour le coup. Je l'ai réparée, elle marche très bien. C'était juste un câble décossé, hein. Vraiment un truc à la con, donc elle marche nickel. Alors, pour une Ibiza, blague à part, elle marche bien. Elle fait pas le fameux G bizarre comme toutes les machines 400 watts. Elle marche très bien, mais je vous avoue que je vais la changer. Parce que c'est pas le top du top, hein. Jamais de passer en soirée, hein, je vous rassure. Hein. Sauf entre potes, mais non, ça part pas en soirée. Je dénigre pas la marque Ibiza ou les machines, mais pour ce que je fais, clairement, c'est pas suffisant et c'est pas top top. Mais sinon, blague à part, ça marche bien. Et c'est pas encore tombé en panne. Ce qui est un miracle. Donc bravo Ibiza. Et on va finir. Donc il y a les ordinateurs. Le Lenovo avec le i3 pour Sunlight. Et le MacBook 2006. Il commence à dater, mais il marche encore. C'est un miracle. Il marche encore. Bon, après, c'est Apple. Hein. C'est sûr que ça tombe pas en panne comme ça. Hein. Mais il est assez vieux. Mais il marche encore pour faire tourner Sunlight. Pardon. Et toi le DJ. Mais bon, je pense que je vais bientôt le changer. Hein. Mais il marche très 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 bien. Et ça fait longtemps que je l'ai sur YouTube. Hein. Vous avez sans doute déjà vu ce Mac. Et pour finir, on a les interfaces. Donc, j'ai eu pendant un moment le Sushi DS. Que tout le monde connaît. Et qui n'est pas cher et qui marche très bien. Si vous voulez un logiciel qui marche bien, je vous conseille Easy Standalone. C'est celui qui marche le mieux. Et si vraiment, vraiment vous êtes chaud, il y a Sunlight 2004. Il faut être bien accroché. Oups. Et là on a le Sunlight Suite 2. Donc franchement, avec Dazzlight, meilleure interface DMX. Sans parler de Grand Mouse Dot 2. Mais pour le prix que j'ai eu surtout, et le prix que ça vaut normalement, c'est vraiment pas cher. Vous avez vraiment une interface de qualité et très très, je dirais pas simple d'utilisation, mais très complète. Si vous voulez des conseils, dites-moi ou demandez à DJ Lionel. On est assez calé, ainsi que MS Animation. Et on a là la PC Mini qui marche aussi très très bien, qui m'a été donnée par Mathieu. Franchement, merci Mathieu. Top, marche très très bien. J'ai juste un petit fader qui déconne légèrement, mais c'est pas grave. Elle marche très très bien, très réactif et marche parfaitement sur Sunlight. Donc je n'ai rien à dire. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc pour les dédicaces, pardon, dédicace à MS Animation, dédicace à DJ Lionel, DJ Tom. Newsly, Rémi. Dédicace aussi à Nemio qui m'a vendu les parts. Et ainsi qu'une partie du 100 volts, enfin des lignes 100 volts, qui j'ai oublié. Et dédicace aussi à Valentin. Pardon, Valentin. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en espace commentaire, comme d'habitude. Donc je vous souhaite une petite pub pour notre serveur Discord. Si vous avez des questions par rapport à la Sono ou discutez avec nous Sono et autre chose, il n'y a pas de souci, le lien est aussi en description.
Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus.